medication and them Xanax. Don't try anything to get me off this planet. My brain will do anything to protect this body. Anxiety, panic, stress. On one side, we've got individuals who say vaccines are extremely dangerous. And on the other, you've got a rich and powerful pharmaceutical industry and Bill Gates. Pharmaceutical companies are just using vaccines as a vehicle for massive profits. C'est dur de prendre sa place dans un contrôle de masse. On protège notre identité derrière un drôle de masque. On achète le silence avec l'effet placebo. La vie est belle jusqu'à temps que t'en perdes les mots. Y'a rien à faire, on est des rats de laboratoire. On nous remplit cochonneries jusque dans le four crématoire. On nous radote toujours les mêmes histoires. Sans compter toutes les maladies qui nous injectent dans le corps. On est des expériences humaines sans savoir ce qui coule dans nos veines. On tourne en rond sans trop savoir où ça nous mène. On se demande pourquoi dont les morts soudaines. Pourquoi les grosses têtes à la course du contrôle suprême. Mais on est fuck depuis la nuit des temps. Mais malgré tout on comprend pas qu'on est encore vivant. On fait juste tourner la page quand c'est l'heure du nouvel an. Faudrait se rappeler ensemble que c'est pas le temps de jeter les gants. Yep, an actual big pharma insider copped to what anti-vaxxers have been saying for a while. Vaughn was a rep for the Merck drug, Vioxx, when it came out that her employer had falsified their safety data. Merck underreported the number of people having strokes and heart attacks just so they could sell more Vioxx. And that's when Vaughn began to distrust the industry she'd worked in. Pills, medication, and the Xanax. Don't try anything to get me off this planet. My brain will do anything to protect this body. Anxiety, panic, stress. L'élite nous bourre de substances qui font frais nos consciences. Mais tout ce qui contient leurs finances est-ce que c'est bien des conséquences. Notre naissance à des enfants pris avec des mutations. Sois pas surpris si ton kid naît avec un troisième bras dans le front. Zéro quel pour dormir, anxiolytique contre le stress. Antidépresseur peut survivre juste tel que l'on sonde dans l'ivresse. Psychotrope, codéine, nos jeunes sont rendus des zombies. Xanax, morphine pour endormir leur esprit. On se tient sur des petites pilules pour gérer tous nos problèmes. Car en réalité faut juste chercher au fond de soi-même. La solution est proche, adore au plus profond ton âme. Les médocs sont juste des béquilles, sois pas-y avant d'y prendre. She looked more into vaccines before pumping them into her baby. And that's when she learned that vaccines contain known carcinogens like aluminum, formaldehyde, and other ingredients that are banned around the globe. And yet, here we are in the US, giving twice the number of vaccines to our kids than other developed countries do. Vaughn also points out that vaccines don't need the same kind of safety testing as other drugs.